Voici 50 idées de beaux prénoms peu communs au Québec. Qui sait? Peut-être aurez-vous un coup de cœur pour l'un de ces jolis prénoms rares. Alphée. Unisexe, court et très rare, le prénom Alphée est un nom d'origine grecque. Seulement 13 Alphée, garçons et filles confondus, sont nés au Québec depuis 2012. Maverick. Est un prénom unique qui a beaucoup de personnalité. Même s'il gagne en popularité, il demeure assez rare et est en général attribué entre 50 et 60 fois par année au Québec. Lilou. Unisexe, court et relativement rare, Lilou plaira à tous les parents désirant être originaux, sans en faire trop. Léandre. Contraction des prénoms Léo et Alexandre, Léandre est un nom rare, doux et original. Bien que plus souvent donné aux garçons. Naïma. Naïma est un prénom d'origine arabe qui signifie « douceur du paradis ». En général, moins d'une vingtaine de fillettes québécoises sont prénommées Naïma chaque année. Lucien. Le prénom Lucien existe depuis l'Antiquité et vient du mot latin « lux » qui signifie « lumière ». Charlize. Prénom féminin dérivé de Charles, Charlize est nettement moins populaire que Charlie ou Charlotte et signifie « vigoureuse ». Parmi les Charlize célèbres, on compte bien sûr l'actrice Charlize Theron. Miro. Les adeptes de prénoms courts adoreront Miro, qui est d'ailleurs plutôt rare. Au Québec, il généralement attribué moins de 8 fois par année. Marie-Lou Wolfe et Guillaume Le Métivierge ont d'ailleurs prénommé un de leurs fils ainsi. Dolores. Prénom chargé d'histoire et qui a de la personnalité, Dolores est un nom espagnol qui fait référence à la Sainte Notre-Dame des Douleurs. Zéphyr. Le prénom Zéphyr signifie « vent doux » en grec. Très rare, il n'a été attribué que 15 fois au Québec dans les 5 dernières années. Thaï. Exotique et doux, le prénom Thaï vient de la Grèce antique et fait référence à une parure pour les cheveux. Il est généralement attribué entre 1 et 3 fois par année au Québec. Alors les chances de retrouver deux petites Thaï dans la même classe sont assez minces. Léonora. Dérivée d'Éléonore, Léonora est une version originale du prénom d'origine grecque. Malgré sa douceur, il est peu attribué au Québec. Hortense. Hortense est un prénom ancien qui provient du mot latin « hortus », qui signifie « jardin ». Populaire entre 1900 et 1920, il est aujourd'hui beaucoup plus rare. Siam. Exotique et court, le prénom Siam est si rare qu'aucun garçon né au Québec entre 2012 et 2016 ne s'appelle ainsi. C'est néanmoins le prénom que la chanteuse Ima compte donner à son garçon à naître. Anaël. Plus original qu'Annabelle, le dérivé Anaël est un nom d'origine hébraïque. Au Québec, moins de 50 Anaël voient le jour chaque année. Maël. Très ancien, Maël est un prénom d'origine bretonne qui signifie « prince ». C'est un prénom court et encore peu répandu. Lysandre. Dans les 5 dernières années, une seule petite québécoise a été prénommée Lysandre. Il s'agit donc d'un prénom extrêmement rare. Sorte de contraction entre les prénoms plus communs Mélissa et Cassandre. Roman. Dérivé de Romain, le prénom Roman provient de la Hongrie. Encore peu reconnu au Québec, c'est un prénom étranger qui sort des sentiers. Bénédicte. Le prénom Bénédicte vient du latin « Benedictus », soit « béni par Dieu ». Intrinsèquement lié à la religion catholique. C'est aussi le prénom d'une sainte du XIIIe siècle. Pierrick. Contraction des prénoms Pierre et Éric, Pierrick est un prénom original, sans être farfelu. Maëlys. Le prénom Maëlys se taille une place enviable en France, mais est encore rarement attribué au Québec, environ 15 fois par année. Marius. Le prénom Marius vient du latin « mar », qui signifie « mère ». Il est surtout attribué en France et en Italie, mais peu au Québec. Géraldine. Le prénom Géraldine est commun en France, mais il tient ses origines de l'Angleterre. Très peu de petites filles portent le prénom Géraldine au Québec. Elias. Elias est un prénom hébraïque qui a plusieurs variantes, dont Elijah, et fait référence au prophète Élie. Lila. Le prénom Lila provient du nom arabe Layla, qui signifie « crépuscule ». C'est un nom féminin et doux qui n'est pratiquement jamais. Maé.
Pour être original à coup sûr, attribuer un prénom à résonance plus féminine à un garçon peut être une bonne option. Court et joli. Farah. Farah est un prénom d'origine arabe qui peut se traduire par « joie » ou « bonheur ». Barthélemy. Barthélemy est un prénom d'origine hébraïque lié à la religion catholique, puisque l'un des apôtres de Jésus portait ce nom. Maïsa. Dérivé du prénom arabe Maisan, Maïsa est un nom féminin exotique et rarissime. Plus souvent attribué dans les pays arabes ou latins. Théophile. Est un vieux prénom, dérivé du nom grec Théophilo. Les amateurs de noms anciens adoreront ce prénom rare.